Et il a le stabilisateur à 45 degrés. Bon, je suis Sylvain. Il faut dire que les volutes. Ah waouh. Les volutes, c'est hyper léger. Non, j'ai rangé, c'est la structure pour les papiers japon. Ah non, il n'y avait rien dedans. Il n'y a pas de papiers japon. Alors Sylvain, quoi. Ouais, t'avais même pas besoin de beaucoup de plans. Parce que finalement, on avait acheté un plan vendeur. Non, non, on avait un plan vendeur. Ah, y'a rien. C'est agréable. C'est un bon. Le concept, tous en même temps. Jette dans les puits. Là, oui, on va les faire à l'endroit. Alors attention, si on va dans les buis, hein. Ouais, alors elle se demandait si elle n'achetait pas celle en avait. On entend tout là. Hein, Jean-François. Gilles, on entend tout ce que vous dites. On peut savoir le classement avant qu'il le donne. Oh oui, là, comme ça, ouais. Il n'en fera pas le bout de la jaune. Il y a un moment, on a fait une pause, moi, les gants. La jaune, ça prend le regard. C'est moderne. On peut faire des messages volés et tout. Non, t'as raison. Un programme l'air. Bon, on va démarrer, tout le monde est là. Oui, tout le monde, il est là. Ah ben. Bon, eh bien, vous avez donc été encore nombreux cette année à participer à ce dernier concours durée précision. Quatre concurrents classés en deux axes. 19 en trois axes. C'est toujours à peu près la même topologie. Et en grande plume, 3. Donc 4 et 19, ça fait 23, 23 et 3, 26. 26 concurrents, le dernier, vous devez être 25. Donc, c'est bon. Alors, on va démarrer sans tarder par la catégorie 2 axes. À la quatrième place, monsieur Frédéric Chomeil. Ouais pour Fredo. Suivi c'est bien par monsieur Claude Levent, son ami breton. Et c'est les Bretons qui courent après les Normands. Il faut bien ça pour l'année. Ah non. Ah si. Excuse-moi. Et qu'est-ce que tu vas faire de la prochaine fois? La serre en électrique. La serre en bouchon. Voilà, en bouchon. Merci. Ça, c'est bien. Alors, on rappelle que Claude, c'est son premier jour de retraite. Oui. Ouais. Et on lui la souhaite longue et vigoureuse. La retraite, bien sûr. Le reste aussi, c'est normal. Il y a tout ce qu'il faut maintenant. Bah, j'ai un briquet, hein. Voilà. Où tu te brûles. Où tu te brûles, voilà. Ensuite, à la deuxième place, Frédéric Taillou. Une boîte d'air. T'es pas gouré là? Ouais, mais t'as pris une coupe. Bon. Au hasard. Elle rend ta coupe, c'est pas celle-là. Elle est trop grosse pour toi. C'est pour moi la goutte. Ils mettent les boîtes de Bon, on recommence tout, Nicolas. C'est les mères. En première place, on retrouve Bertrand Doué. Non, c'est pas là, c'est là-bas. Il y a un truc là. Tu le veux? Non. Il n'y avait que dans deux axes, c'est ça?
Non, ils sont tous là. Il faut régler ça à la maison, les gars. Ah oui, c'est devant moi, c'est sûr. À moins que c'était vraiment interminable. Deuxième, Frédéric Payou. Ça c'est fait. C'est fait ça, c'est bon. C'est le dernier, c'est le premier celui-là. C'est le premier celui-là. Bon, Jean-Pierre, tu fous le bordel. Oh là là. Et pourquoi t'as plein de trucs toi? Tu fais des tu craches en vol? Alors on recommence tout, on repose. Allez, on repose, pour recommencer, ça va pas. Moi je serais vous, je deuxième, il y en a moins. Celui-là, vas-y, vous te rends compte que moi que j'ai pas. Oh, jaloux. Ils vont se battre maintenant, les mouettes. Non, mais je vais lui donner. Il y a une tête de sardine sur laquelle les mouettes les arrêtent. Frédéric! Il est où Frédéric? Il est où là? Il y a moins qu'un bon. Ah, un rouleau d'adhésif. Ça sert à rien d'être plus jeune, il lui manque déjà un bout à lui. Bon, allez, on continue par les trois axes. Oula. Oula. Oula là. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oula. Alors, en 19e position, Gilbert Griffon. Classé quand même, malgré qu'il ait déclaré forfait, parce qu'il a mis son planeur au trou, puis il a des problèmes de santé, et il n'a pas pu redescendre facilement. C'est un ami modéliste du club de Massilly, dans le Clunisois. Dans le Clunisois, pas loin. C'est juste le côté de la voilà. À la 18e place, Jean Boudin, qui nous vient du Clunisois. Ah bah le Creusot. Ah le Creusot, le Creusot. À la 17e place, Patrick Philippot. Ouais ouais j'arriverai pas le dernier. Eh non, t'es pas le dernier. Ah ça se mérite. Bouge pas, bouge pas. Pendant des années. J'y arrive pas. Ah, mais pas il faut persévérer. À la 16e place, Jean-Marie Fait. Conscience du MACM, celui pour lequel tout est arrivé à Macron, en 1963, voilà, il y a plus de 50 ans, vous rendez compte? Et Daniel qui se cache, toujours le timide Daniel, je sais pas où il est, bon, peu importe, vous voyez, vous avez les trois fous qui ont, et puis un quatrième qui en avait hier soir au Machon, qui avait relancé l'aéromodéliste. Les petits avions, Jean-Bois, Jean-Noël, Daniel et ma pomme, dans les années 62-63. Et on l'a toujours supporté. Il me supporte encore. Bon, on continue. Bon, le vent. À la 15e place, André Yvet. C'est moins gros que le trophée, hein. Ouais, mais c'est... Non, mais j'ai loupé une coupe de moi arrosé ce soir, quoi. À la 14e place, Christophe Armour. Un petit jeune du club qui se lance dans les concours. À la 13e place, c'est quand même marrant. Hein, vous en conviendrez. À la 13e place, quelqu'un qui nous vient du département 13, en l'occurrence Philippe Cayol. Pierre Cayol, excusez-moi. Il est là. À la 12e place, Raphaël Martinet. Le gars du Mont-Levant. Mais Dodin, le meilleur. C'est les grands départements, hein. Vivement qu'ils nous les virent, ces départements, qu'on n'en parle plus. Ensuite, à la 11e place, Sylvain Feig. Notre jeune vice-président. Qui a tout l'avenir devant lui et qui l'a dans le dos quand il se retourne. Vous étiez juste garé où il fallait pas, je pouvais pas me poser. Ah bah voilà. Gars, il va t'engueuler, tu vas voir. Ah bah.
À la 10e place, un dur à cuire du vol de pente, Michel Voisin. Qui nous vient du club de Massilly aussi. Sans jeu de mots, hein, c'est Jean Cluny, un charmant petit village. Entre... voisin. Voilà, il est venu en voisin, tout à fait. Bravo Jean-Louis. Et on passe à la, on passe les top 10, 9e place, Titus Mangin.